peux plus continuer, monsieur. Je vais faire vérifier cette ordonnance. Comment ça? Vous ne croyez pas? J'ai le sentiment que vous me mentez, mademoiselle Morin. Hein? L'homme qui a commis le vol n'est pas celui qui a été arrêté. Je l'ai vu, c'est lui. J'ai parlé avec la police ce matin. Ils n'ont pas encore toutes les preuves, mais ils savent qui vous essayez de couvrir. Il n'est pas trop tard pour dire la vérité. Autrement, ils ne seront pas tendres envers quelqu'un qui a essayé d'inculper un des leurs. Je suis pas une menteuse. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Laisse-moi tranquille. Allô, c'est moi. 27. Je lis. OK, c'est Roger Bédard, 2040 rue des Lilles. Matriculation, c'est BYC 600. Got it. Merci, Mariette. Jennifer, regarde, le taxi est là. La photo, la photo. OK. Tu penses c'est elle? C'est bien elle? Yasmine avait raison. Jennifer, est-ce que t'es sûre qu'on peut faire ça? Ça te fait peur? Moi, ça m'excite. Mais si mon père savait ce que je fais... Ah, ce qu'il sait pas, ça me fait pas mal. C'est ce que ma jeune sœur dit tout le temps. Parce que quand elle arrive à l'école, elle se met des jeans serrés et des mini-jupes. Alors imagine. Bon, est-ce qu'on frappe à gauche ou à droite? Parler français. Automobile. Mon char. C'est là qu'il m'a demandé, je pense, de signer avec un X. Une X. Il ne reste plus rien qui allait porter ça aux affaires internes. Non. J'ai une dernière identification à faire avec Tony. T'es déjà allé trop loin. Ben non, là, la regarde. Oui. Demain matin. Bonjour, vous êtes bien chez Tony Demers. Laissez votre message après le signal sonore. Oui, monsieur ou madame Demers, pourriez-vous rappeler Pierre Albert à CFGL, s'il vous plaît? C'est urgent. Bonjour, vous êtes bien chez Tony Demers. Laissez votre message après le signal sonore. Ici René Gascon. Je voudrais parler à monsieur ou madame Demers. Rappelez-moi ces corps réels. Ça fait 3 messages que je laisse. Allô? Enfin, t'es en charge de téléphone? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Mais t'as-tu vu le journal le matin? Non, je viens de me lever, OK? Ben, va le chercher, puis rappelle-moi.
Aïe, aïe. Je sais pas d'où vient la fuite, mais ta place sautera en bas du lit, puis vite. Avec ce qui vient de sortir dans le journal, ça va brosser aujourd'hui. Un policier de carrière qui se fait prendre la main dans le sac juste 2 ans avant de prendre sa retraite. Un homme qui a déjà eu des problèmes avec la bouteille, qui se tenait dans les casinos. C'est à se demander tout ce qu'il a pu faire de croche avant qu'on l'attrape. Attends que je te pogne, toi. Et Lolita, Armande de son vrai nom. Avant d'être la femme légitime du policier de Demers, cette chère Lolita vendait ses chambres sur la rue. Il paraîtrait même que c'est Demers qui la protégeait. Mais pendant ce temps-là, c'est vous et moi, des contribuables honnêtes qui payaient le salaire de Demers. Et sûrement aussi les petits cadeaux qu'il offrait à sa Lolita chérie. Et qu'on est généreux, hein? Attends-moi, mon homme, j'arrive. Tony. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est, Tony. Il est quelque part dans un hôtel. Viens, père. Connais-tu ce gars-là? Non. Mais dépêchez-vous, là. Les censures arrivent. Dépêchez-vous. Cache-toi derrière la voiture. Baisse-toi pour vous. Vraiment innocent, tu fais bien de l'aider. Mais il vit avec une femme qui n'a pas de journée. Mais les gens ici ne vivent pas selon du Coran, maman. On ne peut pas les juger. Noël, salut. Madame. Assalam. Salut. Bonne journée. Salam. Hey, tu vas, Armand? Sais-tu où aller? J'appelle la maison, ça répond pas. Inquiète-toi pas, tout va bien, est en sécurité chez Jennifer. Mais j'ai mieux te le dire, il y a des journalistes qui t'attendent à la maison. Ouais, ça tombe bien justement. Non, Tony! Ça va être pire pour Armand. Écoute-moi. Connais-tu ce gars-là? Ça ressemble à Bédard, ça. Roger Bédard. C'est un gros dealer de dope d'un polyvalente. C'est moi qui l'ai arrêté il y a 5 ans. T'es juré de se venger. Rochelot, je t'avais prévenu, hein? Écoutez, j'ai juste fait mon devoir de citoyenne en vous apportant des informations qui manquaient. Hey, mets-toi pas au-dessus des ordres en jouant ces mots. Tu sais très bien, je ferais prendre des mesures disciplinaires contre toi. Je comprendrais, mais avant, faudrait peut-être procéder à l'arrestation de Bédard et sa complice, sinon ils vont disparaître. Ah ouais? Comment t'expliques, toi, la signature de Tony pour le coffret, hein? C'est pas mon enquête, mais je peux peut-être m'en occuper. Allez, sors de mon bureau, là! Lionel, ta vincelette. Ouais, j'ai quelque chose d'intéressant pour toi sur mon bureau. OK? Ah oui, tu devrais peut-être dire à tes enquêteurs qu'ils devraient se recycler, hein? Je vais m'aller nulle part sans me faire niaiser, achaler, insulter. Comment je vais faire pour aller à l'épicerie, moi? Hein? Sortir sur la rue, toujours bien bon de me déguiser ni me faire refaire la face. As-tu honte de toi, de ce que t'es, des choses que t'as faites? Pas en toutes. Bon. Alors, il n'y a pas de problème? Big deal.
Si tu promènes avec ta tête haute, si tu n'entres pas dans le jeu des autres, si tu rigoles plutôt que tu fâches, personne n'aura de prise sur toi. Ils vont rapidement te laisser seul parce qu'ils vont pas avoir de plaisir de te mépriser. Et répète-moi dans ça pour voir tout le monde. Mais oui, mais là, si t'es même plus capable de convaincre tes amis de t'aider... Mais te rends-tu compte de ce que tu me demandes? Mais oui, mais c'est toi-même qui m'as dit qu'Armande est une jeune femme charmante, qu'en la voyant, les gens vont l'adorer puis qu'ils vont même oublier que c'est une ancienne pute, OK? Oui, bon. Mais presque les médias viennent de sortir sur elle. Tu penses-tu vraiment qu'elle a le goût de venir se montrer à face à TV? Hein? Mais si elle a le goût, elle, de venir s'expliquer, de venir se défendre, vas-tu l'en empêcher? Laisse-la au moins choisir. Oh non, Alexis, commence-moi pas ça. C'est à nous autres de choisir, puis ça, c'est ce que t'arrêtes pas de me répéter. Ouais, j'avais prévu le coup. Leclerc a trouvé des renseignements bien intéressants sur ma petite Armande, puis son compagnon. Ça, là, c'est vrai. Hey. Il y a une autre affaire que j'ai pas dit à Tony, mais si j'y dis, il va me tuer. Tu le diras à moi? T'as pas tenu ta promesse, n'est-ce pas? La reine chantait le bel île, l'océan chantait, tout le monde tombait, elle est Non, merci. Pourquoi vous n'avez pas amené le reste de votre petite famille? Ben, je regrette, mais ils n'ont pas pu se libérer. Merci quand même d'être venu. Tu sais, Jasmine, Nawal a fait une crise l'autre jour quand papa lui m'a interdit de venir. C'est dommage que votre femme et Nawal ne soient pas ici avec nous. Ah, elle le regrette aussi. Mademoiselle Rochelot, j'ai un secret à vous confier. Ah bon? J'ai constamment tenu votre père au courant de vos démarches. Non! Je pense que tu savais toi aussi. Non, absolument rien. Merci pour tout, Jasmine. Je sais pas si tu réalises qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de prison. Regarde ça. Vas-tu nous dire finalement d'où vient cet argent-là? C'est de l'argent que j'ai gagné à Las Vegas puis à Atlantic City. Ah, je voulais pas le déclarer à l'impôt. Ah, mais là, fini le condo en Floride, mon Tony. Il est pris pour régler l'impôt. Tu reviens-tu avec nous autres? Si tu veux que je retourne dans la police. Pas tout, ça n'a rien à voir avec ça aussi. J'ai juste pas été capable de tenir la promesse que j'avais fini par te faire. Si tu veux pas, je vais me faire avorter, OK? Je sais que j'aurais pas dû, là, mais avec ta job, s'il fallait qu'il t'arrive quelque chose, je veux pas me retrouver toute seule. Je voulais juste être sûre de toujours t'avoir un petit peu avec moi.
bouge pas, ris pas, je peux pas mettre le rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est ça? Aïe, aïe. Toute l'équipe a décidé de t'offrir ton maudit voyage à Hawaï. Alors, d'abord, tu vas arrêter de nous casser les oreilles avec ce maudit voyage-là. Ensuite, ben pour te remercier pour tes années de service, puis aussi un petit peu pour s'excuser d'avoir douté de toi. On aurait bien voulu inviter tes amis les journalistes, mais aye, ils seraient pas venus de toute façon. J'espère. Une belle histoire, ça les intéresse pas. Alors, Tony, c'est le temps est venu de te présenter ta nouvelle femme. Quelqu'un, quand même, à qui tu dois une fière chandelle, hein? C'est rare que je dis ça d'une tête de cochon. Ta partner a fait une bien belle job. Mais j'ai quand même pas réussi à le faire changer d'idée. Peut-être, mais regarde, là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le monde rire de même ici dedans. Mais là, même moi, j'y arrivais plus, c'était plat trop. Un matin, j'ai appelé Vincelette. Je voulais le voir. Pour lui redemander ma badge. Puis mon gun. Mais j'accepte le voyage quand même. Hein? Ça s'est bien passé. Je t'aime. Justement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as beaucoup aidé. Je m'en sors. Mais il faudrait que je continue. Il faudrait que je continue seule. Ici depuis 5 ans. Et c'est vraiment le paradis pour les hommes ici. Pour les vrais, j'entends. Parce que les hommes ici, ils savent pas quoi faire avec les femmes. Ils sont trop doux, trop roses. Les femmes nous tombent dans les bras comme des mouches. Et vous, vous en consommez beaucoup? Je vais fêter ma 350e bientôt. Mais depuis quelques années, mon rythme a ralenti un peu. Elle vous tombe peut-être dans les bras, mais vous les gardez pas longtemps, hein? Quand je voudrais qu'une femme soit la mère de mes enfants, elle va être musulmane. Arabe de préférence. Alors également avec nous ce soir, on a M. Abou Karim, qui lui aussi est au Québec depuis 5 ans. Alors M. Abou Karim travaille dans une banque, il fait du bénévolat dans un centre d'accueil, mais sa fille porte le voile islamique. M. Abou Karim, votre intégration, elle a été facile ou difficile? Quand votre gouvernement nous a demandé, ma famille et moi, de venir nous installer chez vous, personne ne nous avait prévenu que nous trouverions un tel climat de laxisme et de permissivité. Vous pensez que c'est en forçant vos filles à porter le tchador et à se prosterner devant l'autorité absolue du mâle qu'on va régler les problèmes de société?
Les enfants n'ont aucun encadrement. Ils jouissent d'une liberté totale parce que les parents ont... abdiqué leur autorité. C'est au Québec qu'on trouve le plus haut taux de suicide au monde chez les jeunes de 14 à 18 ans. C'est ça de quoi je vais avoir l'air à l'école, moi, demain. Nawal. Si vos valeurs sont si extraordinaires que ça, comment vous expliquez qu'il y a autant de fanatiques chez vous qui cherchent à imposer leurs croyances à travers toute la planète? Madame, les fanatiques sont en minorité, OK? Il fait une mauvaise impression d'islam. Nous sommes Canadiens au même titre que vous, mais nous n'avons pas les mêmes droits. Pourquoi nous refuse-t-on d'avoir nos écoles islamiques? Pendant que vous avez vos écoles catholiques, juives, protestantes et autres. Il ne faut pas vous donner des écoles islamiques, au contraire. Il faut être juste pour tout le monde, il faut tout laïciser. D'ailleurs, les religions, ça ne règle rien, ça fait juste abrutir les gens et les rendre plus fanatiques. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Ce que j'aimerais savoir ce soir, c'est comment on va faire, ici, à Montréal, pour réussir à vivre tous ensemble dans l'harmonie, parce que il va falloir trouver une solution, hein? Monsieur Desroches? Ben, écoutez, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'immigration a changé le visage de Montréal depuis seulement une dizaine d'années. Donc, c'est un phénomène qui est relativement nouveau, je dirais. Et en ce sens, on est quand même privilégié parce qu'on peut profiter des expériences vécues ailleurs dans le monde. Comment on peut faire ça? Ben d'abord, tout le monde tient à ses différences. Ça, c'est clair. D'ailleurs, la semaine islamique qu'on célèbre actuellement en est un bel exemple. Mais il faut également tous appartenir à une même collectivité qui est le Québec. Est-ce que c'est conciliable? Ah ben oui, mais c'est vital. D'ailleurs, nous, on a l'intention de participer avec des organismes communautaires à la création d'activités de quartier, des activités qui vont être basées sur des valeurs laïques fondamentales. Et je dis bien des valeurs laïques, des valeurs auxquelles tout le monde adhère, comme la compassion, le respect de l'autre, l'égalité des sexes. Tout ça, évidemment, afin de créer un sentiment d'appartenance commune, je dirais. Monsieur Desroches, merci beaucoup. Oui. Alors, on vous revient après cette pause. Que je le demande. Pleure pas. Non, arrête. J'ai changé d'idée. J'ai appelé partout. Il faut absolument qu'on appelle la police. Leïla, c'est une histoire qui ne concerne que la famille. C'est toi-même tantôt qui m'a dit que tu voulais. Laissez-moi moi appeler Jasmine.
quelqu'un qui t'a battu? On peut-tu t'aider? Veux-tu qu'on appelle la police? Veux-tu qu'on appelle tes parents? Inquiète-toi pas, on veut pas te faire mal. Mais c'est pas safe dans le coin. J'aurais dû voir Antonia après l'émission. Elle fondait devant les délais. Oui, mais toutes les filles sont folles de lui, hein? C'est un haut gradé. Trop haut pour nous autres, d'ailleurs. Ah, mais peut-être pas pour toi. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Excuse-moi. T'es pas trop harcelé, j'espère? Vas-tu appeler la Brigade Rose? Jésus. Je vais faire un détour la prochaine fois. Je vais regarder de l'autre bord. Ta femme m'a demandé le divorce. Il est sûr que c'est ta plainte d'harcèlement sexuel qui a tout déclenché. Entre toi puis moi, le but de ça, c'était... Moi, ça me dérange pas quand t'as gomme grosse. Ça veut dire que je me suis réussi cette journée-là. Ancien qui a nous poigné le cul. Charlie. Je les ai cœur-tu, moi? Mais qui me laisse tranquille. Ton chum, il te fait jamais la cour? T'es tellement belle, j'aimerais ça le voir heureuse. Attention tout le monde, j'aimerais vous présenter Isabelle Desjardins. Ça se peut que certains d'entre vous la connaissent déjà, elle était à la police de Laval. Isabelle a déjà beaucoup de trophées à son actif, même si ça fait juste 4 ans qu'elle est diplômée. Attendez une seconde. Gagnante à 2 reprises du championnat de tir du Québec. Médaille de la bravoure pour avoir sauvé 2 vies humaines d'un incendie. Récompense honorifique pour avoir arrêté seul un kidnappeur d'enfants, etc., etc. Bienvenue au 35, Isabelle. Merci. Hein? Elle va faire équipe avec notre chère amie Boudria. Hein? Oh, piton, watch tes couilles. Ouh! Alors, tu vas pas perdre le peu de toi parce que. Bonne chance, Isabelle. Merci. En tout cas, c'est le fun d'arriver dans le décor. Commencer à ramollir un peu. Pourquoi, piton? Piton? Mm-hmm. Gâchette. Vite sur le piton. Content de faire équipe avec toi. Menteur. Hey, Brigade Bleue! Quoi? Elle va taponner les fesses. Si je te le taponne pour vrai, le piton, mon sacrement. T'as peur. J'ai peur. Ah ouais. Méfie-toi. Elle est très ambitieuse et elle ne supporte pas la concurrence. Ses parents ont été tués dans un incendie criminel, puis on n'a jamais retrouvé les coupables. Alors, elle se venge sur tous les bancs de la société. Attention à toi. Jasmine Rochelot? Comme ça, c'est toi la star du 35. Si t'es aussi bonne qu'on le dit, bienvenue au poste 35. Jasmine, c'est Léla. Oh, on t'appelle. Vous n'avez pas un indice à nous donner? Des amis, un parent chez qui elle aurait pu aller? Nawal est disparu depuis hier soir. Et depuis, personne ne l'a vu. Bon, mais écoutez, on va émettre un avis de recherche avec sa photo. Puis dans la plupart des cas, là, on les retrouve assez vite. Ses amis l'ont monté contre nous et contre notre religion. Et voilà le résultat. Nawal est déjà en révolte depuis quelque temps. C'est qu'une adolescente. Mais avec tout ce qui se dit contre nous en ce moment... Elle doit être complètement troublée. Je suis convaincu qu'elle a été enlevée ou elle a eu un accident. Elle n'aurait jamais osé nous faire cette peine-là. Nous sommes très inquiets. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive une catastrophe qui gâcherait toute sa vie. J'espère que vous saurez nous la ramener saine et sauve. On va tout faire pour la retrouver. Excusez-le, hein. Il est horriblement humilié de devoir faire appel à la police, surtout quand c'est une affaire de famille. Vous savez, j'ai dû beaucoup insister, mais je crois que là, il a compris. Parce qu'il vous a déjà aidé à... Un retour d'un Saint-Phal. Oui, c'est ça. Merci. Merci.
Et puis pendant mon service militaire, j'ai été affecté à plusieurs points chauds, entre autres au Moyen-Orient, en Afrique. D'ailleurs, c'est probablement là que j'ai appris à comprendre comment se développent les tensions raciales et religieuses. Et puis il y a 5 ou 6 ans, on m'a invité à venir travailler ici à la SPCUM. Et puis je suis resté. Mais c'est vous qui êtes à l'origine du nouveau programme de développement de la police communautaire ici, chez nous. Oui, 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 dans ses relations avec les communautés culturelles, c'est ça. C'est OK. Oui. Excusez ma curiosité, mais c'est pas le travail d'une recherchiste que vous êtes en train de faire. Oui, oui, sauf que j'aime ça faire la recherche moi-même de temps en temps. Ça m'aide à mieux comprendre. Oui. Et puis vous, vous êtes bouddhiste. Comment vous savez ça, vous? Ah, je suis policier. Mais pourquoi Bouddha? Je sais pas, moi, pourquoi pas la méditation transcendantale ou un bon psychiatre, à la rigueur? Je pense pas que vous avez envie de savoir ça. Ah ça. Oui, oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Vas-y. L'année dernière, j'étais sur le Ponte Vecchio à Florence. Et tout à coup, j'ai eu ce sentiment tellement fort d'avoir déjà été là, d'avoir vécu là dans une autre vie. J'étais devant une maison que je suis certaine d'avoir déjà habitée. Et puis c'était un magasin. Et dans la vitrine, il y avait une énorme statue de Bouddha. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez demandé à Bouddha dans votre dernière prière? Je ne demande pas grand-chose à lui. C'est plutôt à moi que je demande des choses. Mais de toute façon, M. Desroches, là, c'est à moi de poser les questions. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Allez-y. Antonia. Quoi? Dis-moi tout. Oh! T'as-tu couché avec? Non! Oh! Le bureau a téléphoné une urgence. Mais il y a une chose, par exemple, que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il savait pour le bouddhisme. C'est pas toi, Jasmine, qui y a dit. Écoute, écoute, si moi, j'avais parlé à Louis Desroches, je crois que je me serais retrouvée dans son lit. Je pensais que t'aimais juste les amoureux. Oh non, ils commencent à m'énerver, ceux-là. Ils sont tellement mous, ça n'a pas de colonne vertébrale. C'est quoi ça? On touche pas. Ça vient de ton beau Louis Desroches. Non, 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 écoute, écoute, c'est pas des lettres d'amour. C'est juste la documentation qu'il m'a envoyée sur la police communautaire d'un peu partout à travers le monde. Faut que je fasse mes devoirs. OK, on fait un deal, Jasmine. Tu t'occupes de son côté professionnel, puis je m'occupe du reste. That's a deal? Une moitié d'homme, ça vaut pas la peine. Ben voyons, Corinne, qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? On dirait que t'en veux à tous les hommes. Mm. 5 chums en 5 ans, c'est une bonne moyenne, non? Si tu fini avec Rémi? Rémi? Il veut qu'on se marie, qu'on fasse des enfants. Il veut que j'arrête de parler de mon travail à la maison. On dirait qu'il veut contrôler ma vie. Je peux plus endurer ça. Là, il y a Ramez, lui. Je suis toute mélangée. Rémi, là, je l'ai mis à la porte hier. Puis j'étais tellement hors de moi que je l'ai frappé. Tu l'as frappé? Corinne, t'as frappé Rémi? Oh. Excuse-moi. Non, je... Fais-toi-en pas. Est-ce que ton copain est tout bas? Non. Est-ce qu'il te surveille et te dit quand tu peux sortir? Non. Est-ce qu'il te dit comment t'habiller? Non. Tu dois être malheureuse. Est-ce qu'il ne t'aime pas, Jasmine? Il est sérieux quand il dit ça? Moi, non. Mais c'est comme ça que la majorité des femmes sont encore éduquées chez nous. Et les hommes aussi, d'ailleurs. Si t'es pas d'accord, pourquoi tu portes le hijab, Leila? Ce traitement-là n'a rien à voir avec le Coran, Jasmine. Porter le hijab, pour moi, c'est affirmer ma foi et donc marquer cette différence. C'est tout. Ta petite sœur, Nawal,
Je pense qu'elle partage plus vraiment cette différence et cette croyance. Non. Il faut la retrouver, Jasmine, avant qu'il soit trop tard. Sinon, mon père ne se pardonnera jamais d'être venu ici. Et nous non plus. Faut que j'y aille. J'ai appris que Nawal avait un copain qu'elle voit en cachette. J'écoute. Mais il a pas voulu me parler, il m'a... J'étais trop nerveux. Je suis quand même allée chez lui. Puis j'aurais pas dû. Il m'a claqué la porte au nez, Jasmine. Faut faire quelque chose. Il est peut-être... Hey! Venez-vous-en! Maria, t'as retrouvé Nawal! Oui, viens, viens. Elle traînait dans un parc. Elle a essayé de se sauver en nous voyant. Elle est complètement traumatisée. Elle refuse de parler. Bonjour, Nawal. Peux-tu aller te laver un petit peu ou peut-être boire quelque chose? Attends-tu que je te fasse un dessin? Elle a peur de toi. Je laisse parler de même. Viens là, écrase avec tes médailles, OK? C'est vrai qu'elle fait du beau travail avec les ethnies. Hey, tiens-toi debout, OK? Laisse-toi pas faire par ton père. Je te comprends. Moi, quand je vois une fille avec un hijab, là, j'ai juste le goût d'y déchirer puis d'y sacrer une volée. Bon, là, ça va faire. Moi aussi, j'ai fait une fugue à ton âge. C'est pas la fin du monde. Je me souviens. J'avais tellement peur que mon père soit fâché contre moi. Quand il m'a vu, il m'a pris dans ses bras. T'as pas fait ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait de si terrible? T'as rien fait de criminel. Arrête d'avoir peur. Moi pis mon ami. T'as fait l'amour. Oui. Panique pas avec ça. T'es presque une adulte maintenant. Pour mon père, c'est pire qu'un crime. Je l'accepterai pas. Puis pour toi? Je sais plus. Tellement honte. Ça s'est mal passé. Moi, j'ai fait l'amour pour la première fois à 15 ans. Puis ça s'est pas bien passé, mais... Faut se laisser le temps d'apprendre. J'ai-tu l'air si malheureuse que ça aujourd'hui? Tu comprends pas qu'il faut pas que mon père le sache jamais! كمان مسلمة وفهماني منيح شو شعورك. بتقدر تساعد بنتك حتى تختار، بتقدر توجهها، بس ما بتقدر تجبرها. غير هيك بتخسرها. حتى واحد ما يقول لي في داري كيفاش نربي بنتي. نوال بنتي اي جون سوي ريسبونسابل. يا استاذ ابو كريم، نقدر هون نعيش حسب ديننا وبذات الوقت بالمجتمع نكون مثل كل الناس. C'est difficile pour lui d'accepter notre façon de vivre ici. Mais je crois qu'il comprend. Vous vivez ici depuis assez longtemps pour comprendre. Vous bénéficiez des services sociaux, mais en retour, vous devez respecter les lois. Et l'une d'elles vous interdit de battre vos enfants. Est-ce que c'est clair?
Where are you? Where's Hamilton? Where's Hamilton? Tu as trahi ma confiance. أهملت صحابي وعائلتي. لنعطيك أنت يا بنتي مستقبل. Tu ne vas pas rater ta vie et la nôtre en crachant sur tout ce que je t'ai donné. Baitek! Peut-être trouveras-tu les mots pour lui parler. Elle t'adore et tu le sais. Mais tu es beaucoup trop sévère avec elle. Ses amis la ridiculisent, ils l'abandonnent. Faut comprendre ça aussi. Nawal est vraiment malheureuse. Va comprendre. J'ai... Tu sais, non. Mais tu gardes ça pour toi. Ok? Personne n'a besoin de savoir ça pour le moment. Nawal, je t'aime. On va s'en reparler plus tard. Je peux plus rester ici. Je peux plus. Tu me promets de rester tranquille quelques jours, Nawal. Papa et maman t'aiment, Nawal. Tu le sais. Jasmine, Nawal a encore fugué. J'ai peur, Jasmine. Point J, ce soir, 22h30, Julie Snyder vous invite à regarder le spécial Elvis Gratton avec Julien Poulain et Pierre Falardeau, réalisateurs du film le plus attendu de l'été. Dans un moment, Nikita.